E te whare e tū mai nei, tēnā koe. E te whenua Māori, Māori, e takutu ana ki waho, tēnā koe. E dewe, e te ariki, e te whaia o te mutu o Kanaki, e te tuahine o te mananui a ki waho, tēnā koe. Ah, dewe, ko haere koe ki te pō. Ki tō hōrangatira, ki tō tamaiti, ki o mātua, ki o tīpuna hoki. Nā reira, haere te tuāhine, haere, haere, moe mai ai. E ngā raurangatira, e ngā kaiwhakahaere, e ngā tauira, e tīwe whāne, kua huihui mai e tēnei wā, i ō rana tātou katoa. Maruburoa. Donc, juste avant de commencer ma présentation, je voulais très rapidement, vraiment très très rapidement, me situer par rapport à Dewe. Ça fait presque 20 ans que je la connais, je parle au présent. Et c'est grâce à Raylin Ramsey, ma collègue, qui est là, que j'ai rencontré Dewe et nous avons travaillé ensemble à traduire et à retraduire un certain nombre de poèmes dont on a fait un recueil dans une série dirigée par Peter avec ANU. On a ensuite traduit le premier roman, L'Épave, et nous avons eu beaucoup de collaborations et de conversations avec Dewe au fil des ans, qui ont abouti dans un film documentaire, Écrire le pays, Writing the Country, dont le narrateur est Witi Ihimara, notre écrivain maori, qui occupe une place similaire à celle de Patricia Grace et à celle de Dewe. Et donc, un certain nombre de citations que j'y prends pour la présentation sont tirées des entretiens qu'on a fait dans le contexte de ce documentaire. Et la présentation, elle, entrera, j'espère, dans le cadre d'une biographie littéraire que je suis en train de préparer, toujours en collaboration avec Raylin. Voilà. Donc, pour venir à la question du féminisme autochtone océanien, entre guillemets, hein, donc, on pourrait dire, que le féminisme autochtone émerge en quelque sorte des tensions entre les bases universalistes et radicalement constructivistes du féminisme occidental d'un côté et le besoin urgent et fondamental des femmes autochtones océaniennes de dénoncer des abus patriarcaux, d'où qu'ils viennent, et même quand ils viennent de l'intérieur de la culture, tout en défendant cette culture, en la renforçant, parce que la culture est partie intégrante de l'identité première. Je note aussi à ce titre que c'est à Céline Marsh qu'on doit d'avoir défriché le terrain en explorant le concept du féminisme autochtone océanien dans le contexte de sa thèse doctorale sur 5 de ses poétesses du Pacifique anglophone. Donc, comme tant d'auteurs océaniennes depuis, Dewe n'a pas manqué de souligner la complicité entre le colonialisme capitaliste, extractif, phallocrate, et la destruction massive environnementale de la Terre et des océans, qui sont souvent féminisés, on le sait, pour mieux les dominer. Et ce qui rend éminemment pertinent ici le rapprochement avec l'écoféminisme, ainsi que le propose notre collègue Julia Friends dans son excellent article. En effet, l'œuvre de Dewe présente des parallèles très clairs et aussi les différences fondamentales avec les préoccupations du féminisme et certains courants de l'écoféminisme occidental. Partons de là, donc, et parlons de l'œuvre poétique de Dewe. Je proposerai ici qu'une analyse attentive de son travail, que je n'aurai le temps que d'esquisser,
dans ces dimensions littéraires et politiques nous permet d'interroger, voire même de remettre en question certains postulats de base des féminismes occidentaux, en particulier vis-à-vis des critiques de certaines tendances de société, des sociétés océaniennes et certaines tendances aussi du courant écoféministe, souvent accusé de façon frontale ou non d'essentialisme. Mais venons-en d'abord à la vie de Dewey et au texte. Militante anticolonialiste et anticapitaliste, luttant pour les droits de son peuple et des femmes, depuis ses années d'étudiante en France dans l'après-mai 68, cette mère célibataire, cette Angela Davis du Pacifique, a été emprisonnée à plusieurs reprises à Nouméa pour son rôle de premier plan dans la lutte du peuple kanak. L'écriture chez elle est donc directement inspirée par sa vie, de sa vie, ses racines, son identité, donc inséparable de cette lutte et de son engagement politique anticolonial. « Je suis une femme kanak engagée qui écrit, dit-elle, et non pas simplement un écrivain engagé. » Même si la lutte politique passe parfois avant les questions de genre, dès ses débuts, Dewey n'hésite pas à dénoncer le sexisme, la violence conjugale et l'hypocrisie chez ses camarades de lutte sur la scène politique comme dans ses écrits. Et là, je vous donne un exemple, le poème « Question » qui dénonce l'hypocrisie d'un militant indépendantiste hyper-violent qui parle en public d'oppression puis de liberté alors qu'il ne cesse d'abuser de sa femme, mère de ses enfants, qui, elle, est poussée à la fuite et jusqu'au bord du suicide. C'est une thématique qui résonne d'ailleurs encore parmi la gauche française en 2022, n'est-ce pas? Et je relirai ce poème au témoignage d'Eli Proagoun, qui a participé avec Dewey à la création du PALIKA, Parti de Libération Kanak, et qui note la crainte qu'inspirait Dewey chez les hommes du bureau politique lorsqu'elle se levait pour s'élever, pour s'insurger contre le manque de respect envers les femmes. Et elle y donne comme exemple un congrès à l'IFU où Dewey prend la parole pour traiter ses collègues soi-disant révolutionnaires de gauche du Parti de Libération Kanak de « sales colonialistes ». Discours que Elie dit d'ailleurs avoir pris en pleine figure, on imagine. Et donc, Dewey qui n'hésite pas simplement dans ses écrits, mais dans sa vie et même devant ses camarades, de dénoncer le sexisme lorsqu'il apparaît, dès qu'il apparaît. Et donc, il y commence par nous raconter cette histoire et par la suite, il salue l'accession de Dewey au gouvernement après un long combat difficile mené sur plus de 30 ans pour constater les progrès faits, et notamment grâce à Dewey, grâce à son travail exemplaire, politique et littéraire d'ailleurs. Dès les premiers écrits, pour Dewey, la lutte politique anticoloniale et antipatriarcale est aussi environnementale, pardon. Surtout, mais pas uniquement, par rapport au nickel, à l'industrie minière. Dans le premier recueil, Sous les cendres des conques, dont la deuxième section d'ailleurs s'intitule Terre nickel, ce recueil est comme marqué au fer rouge des multiples dégradations environnementales et sociales provoquées par l'industrie minière. Celle-ci est évoquée de manière explicite dans les trois sections centrales du recueil, dans une quinzaine de textes sur 75 au total, hein, donc ça représente un poids.
la mine constitue le sujet ou le contexte central, en plus de 5 poèmes que j'ai nommés là, et je parlerai simplement du dernier, Quart de nuit, Night Shift. Donc, quart de nuit. Je vous laisse quelques secondes pour juste parcourir rapidement le texte que je ne vais pas lire. Donc, quart de nuit, Night Shift, est construit sur une triple mise en parallèle entre, d'une part, l'exploitation du travailleur masculin à la mine, ce travailleur qui est happé vers le plateau, la destruction de la terre, cette terre rouge, ouverte, blessée en béance, écorchée. Et dans la dernière partie du poème, dans la deuxième partie, la prostitution de la femme narratrice qui travaille elle aussi, mais dans le secret, dans la honte, comme emprisonnée dans une pièce cellule de la garçonnière. Et à noter que la séduction fatale de l'argent pour la femme narratrice est explicitement reliée ici au minerai du nickel, pépites dorées, paillettes, argentées, pierres vertes. Donc, la prostitution de la terre et de la femme sont consubstantielles ici, dans ce poème. Consubstantialité entre le corps humain et la terre est un élément central des épistémologies océaniennes, qu'on retrouve notamment dans les mythes d'origine. Le corps des hommes et la terre, des hommes, des humains, et la terre sont faits de la même matière vivante. Ainsi que le rappelle Titawa Porché, la colonisation et tous ses avatars ont justement mis à mal ce continuum entre le corps des hommes et la terre. Et parlons de Dewey, Titawa interprète son combat comme une façon de vouloir reconstruire, renouer ce lien originel brisé. Titawa note également le lien intime, physique et spirituel entre le rôle maternel et la terre-mère, et notamment à travers la métaphore récurrente et même obsédante du cordon ombilical qui relie les humains à la terre, comme on le voit dans le poème Racine. Dans beaucoup de ces textes, d'ailleurs, y compris dans les derniers recueils de poésie, la métaphore du cordon ombilical revient dans le contexte d'une célébration du rôle de la femme, mère, nourricière. Dans la mère, par exemple, elle est liane de vie. Cette fois-ci, bien qu'elle soit toujours enracinée, c'est important, dans la terre kanak, la figure maternelle s'ouvre, s'étend à un rhizome pour embrasser toutes les femmes de la terre entière, enfantant l'avenir du monde dans un cycle potentiellement sans fin. Donc on voit une symbiose chiasmus entre le corps féminin maternel et la nature, une célébration des petits gestes féminins du quotidien dans ce poème et ailleurs, et aussi l'espoir pour un avenir positif. Quoique cet espoir est toujours qualifié, parce qu'il y a toujours une menace, la femme a une force, mais elle a aussi une fragilité, menacée toujours par les forces barbares. Dans l'orée du sable, Dewey revient sans cesse sur son rôle de mère, toujours lié à la terre, comme à son enfant, par le lien en ombre ombilicale. Il y a aussi une dimension spirituelle, une dimension de cycle de vie en spirale, car le lien utérin est une ode à son fils mort, très jeune d'ailleurs, emporté par une maladie foudroyante, qui n'est plus, mais qui est toujours présent, comme tous ceux qu'on ne voit pas. Les morts sont toujours parmi nous et en nous.
En net contraste avec la douceur employée pour évoquer le rôle maternel, la dernière section de ce même recueil met côte à côte et d'une manière décapante, sans énigme, une dénonciation très claire de l'exploitation, d'où qu'elle vienne, exploitation capitaliste, sexuelle, et aussi des agissements fourbes qui viennent de l'intérieur de la culture, que Dewey appelle souvent des usurpateurs de la coutume. Donc il y a les deux choses en parallèle. Maintenant, pour revenir au dernier recueil, si cette double thématique est présente, le ton est globalement plus positif, plus apaisé. Donc, dernier recueil écrit en écriture jumelle avec Imma Sango, poétesse calédonienne d'origine européenne, indienne et kanak. Donc, sur le chemin de pierre au jardin d'Imma Sango, c'est comme si Dewey se réconciliait en quelque sorte, enfin, avec la ville blanche, symbole de la colonisation blanche, en reconnaissant qu'il existe une autre Nouméa. Et c'est une autre Nouméa qu'elle aura largement contribué à construire, je dirais. Une autre Nouméa où les valeurs kanak, symbolisées ici par la bouture du lien quartier-tribu, fleurissent grâce aux petits gestes féminins et maternels de ces deux conteuses, ces deux jardinières des lendemains possibles, s'ouvrant aux enfants du pays la voie du travail, de la paix et la dignité. Toutes ces positions maintenant impliquent chez Dewey l'acceptation d'une certaine division genrée du travail, provenant d'une dimension corporelle et biologique chez l'être humain, que le féminisme constructiviste refuse en bloc, car considéré d'ores et déjà coupable d'un essentialisme réactionnaire. Il y a pourtant chez Dewey, nous l'avons vu, un refus sans compromis de voir la femme injustement enfermée dans un quelconque rôle traditionnel, avec un refus de l'injustice sous toutes les formes. Donc, pour conclure, l'œuvre de Dewey, reflet de sa vie et de son combat, est toujours et déjà écologique, écologiste et féministe dans un sens profond, marqué notamment par ses dimensions corporelles et spirituelles, et qui dépassent le cadre des mouvements occidentaux. L'attachement viscéral à la terre-mère est affectif et spirituel, dans le sens où tout est relié, tout est fait de la même matière, où il existe des dimensions de l'existence qui échappent toujours à la science, symbolisées par ce qu'on ne voit pas et qui sont toujours là, qui sont partout, qui sont parmi nous. Ce n'est pas tant une approche intellectuelle, ni simplement philosophique, un élément fondamental de l'identité et de l'épistémologie océanienne. Les positions écoféministes prônant un retour au corporel démontrent justement, à mon sens, à quel point la femme issue de la modernité en aura été coupée. L'œuvre révèle ce que j'appellerais une conception bioculturelle du genre, prenant en compte une différence genrée provenant du corps biologique, notamment à travers le corps maternel associé à la terre, mais forgée à travers la relation socioculturelle, car les cultures océaniennes ne posent pas de séparation ou de relation binaire entre la nature et la culture. Ce qui, pour le féminisme occidental constructiviste, constitue un paradoxe, ne l'est plus lorsqu'on remplace ce paradigme par une approche plus ouverte, plus en phase avec les épistémologies océaniennes et aussi avec un fort courant
féministe en sciences dures qui, depuis plus de 40 ans de recherche empirique, a largement dépassé l'opposition stérile entre nature et culture. La biologie évolutionnaire féministe voit le genre, gender, justement comme le produit d'une longue histoire évolutionnaire de l'espèce humaine, notamment notre biologie sexuée et les spécificités socio-historiques et culturelles. Et je vous ai donné un exemple parmi tant d'autres. Donc le vrai paradoxe est là. Si le féminisme autochtone pose problème pour les féminismes occidentaux, en général et pour certains courants écoféministes, toujours constructivistes, le féminisme autochtone se rapproche en sa conception du corps de ce courant scientifique. Aussi, à mon sens, le féminisme autochtone n'a rien ou peu de choses à apprendre des féminismes occidentaux. Par contre, il me semble que l'inverse ne saurait être moins vrai. Et pour moi, c'est le féminisme autochtone qui peut ouvrir le discours féministe dans une direction bioculturelle et authentiquement humaine et humaniste dans le sens le plus large. Qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec un constructivisme stérile et qui plus est scientifiquement intenable.